Avant l'hommage national qui devrait débuter d'ici une demi-heure à Paris, de nombreuses communes alsaciennes ont organisé à la mi-journée un moment de recueillement en mémoire de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi à Conflans-Sainte-Honorine. À Bischheim, comme vous le voyez sur ces images, mais aussi à Cernay, Thann, Strasbourg, Célestat ou encore Wissembourg, plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes parfois se sont rassemblées. Et partout, comme ici sur ces images devant le centre administratif de Strasbourg, le drapeau français et rester en Berne.